C'est 1 km derrière sa montagne. Pardon. Ok, c'est parti. Arrive au sommet de cette colline, là, on va sur un point 4 pour voir les différents points d'observation qu'on pourra avoir sur la cible. J'espère qu'ils sont pas en alerte parce qu'on a fait pas mal de bruit quand même avec le Black Hook. Bon, tu me diras, il y a des vallées, mais je sais pas si c'est suffisant. T'arrives pas sûr? Moi, je faisais un petit tour, je regardais derrière. D'accord. Checker la carte. Ils sont dans une vallée, mec, ça va être plutôt simple. Le plus dur, ça va être de capturer et de tenir la position. On n'a pas des snipers, nous. Hein. Non, mais on peut tirer à 500 mètres avec ce qu'on a. Sachant que l'ennemi n'a pas de JVN, c'est des troupes tribales. Ok, visuel sur la villa. Attends, je me repose un peu. Ouais, pas de soucis. Ok, j'ai le Z sur pas mal d'ennemis là. Il y a un barrage à l'entrée. L'entrée est. La ville. Je suis à ta gauche. Hein. Ok, je t'ai repéré, je vais m'approcher de toi. Oui, je vois une sentinelle. Au barrage. Au barrage, j'en vois une devant, une dans la petite cabine à droite. Et c'est tout. Prendre aussi une patrouille, regarde, de 4 hommes juste au-dessus. Ouais, vu. Ouais, ils sont pour l'instant. Non, ouais, ils sont en mouvement. J'allais dire ils sont à l'arrêt, mais non, ils sont en mouvement. Ouais, ils font des rondes. Et on a quoi dans le village? Ok, j'ai la pièce d'artillerie en visuel, tu la vois? Côté ouest, là, par rapport à nous. À l'ouest de la ville. Tu vois, il y a une pièce d'artillerie camouflée par des trucs camouflage. Ah, bien vu. Ouh, gros matériel. Ouais. On n'est pas. On n'a pas de charge. Non, mon guide a une frappe au sol. Ce qu'il faut faire par contre, c'est faire gaffe parce qu'il peut très bien y avoir des cibles dans les rocheuses comme ça. Si on se repère depuis les rocheuses, mec, on est carrément foutu. Sinon, nos petits randonneurs en bas, j'ai l'impression qu'ils font une ronde qui se dirige jusqu'au checkpoint à l'est de la ville. Qu'est-ce que t'en penses? On prend un risque en les traitant. Je pense qu'ils vont monter dans la sur la pente où on est là. Est-ce qu'on n'aurait pas pour meilleur compte de se mettre en hauteur et de les attendre? Régler ça vite fait. Ouais, ils sont en train de monter, ouais, t'as raison. Alors, on va se mettre en hauteur. Étant donné qu'on n'est pas arrivé à prendre le contrôle du drone avec les mains, j'en ai fait spawn un en mode Zeus et je prendrai le contrôle pour nous donner l'imagerie. Pas encore en haut, je la vois pas. T'as un visuel? Azimut. Sont cachés pour l'instant derrière les rochers. Ok, je grimpe encore. Ouais, je les vois, ils sont
280 ouest, entre les rochers, qui couvrent la route à gauche et la ville. Hein. Pour l'instant, on en voit trois cibles, elles sont fixes, ça bouge pas. Peut-être qu'il va partir en direction de la ville. Ok, j'appelle un barrage au sud de la ville. Identifie les cibles. Plus de deux âmes armées repérées. Peut-être d'autres. C'est bon, la patrouille s'est remise en mouvement, ils redescendent légèrement vers la route. Merci. Je vais mettre des points sur la carte pour indiquer les mouvements de troupes. Dis-moi si tu les vois. Négatif. Tu vois pas? Bon, je vais mettre un global. Je vois. Très bien. Ok, et eh ben on va pouvoir bouger. T'as pas d'autres cibles dans les yeux? Par contre, j'ai plus la patrouille. Ah si, la patrouille, vu. Attends, non. Je les vois en bas. Ils sont à l'avant, en avant du barrage maintenant. On va pouvoir les passer là. En avançant rapidement, on peut les contourner. Sur flanc gauche. Ouais, par les montagnes. Vas-y. Parti. Ils n'ont pas d'optique de nuit, donc ce sera beaucoup plus dur pour eux de le trouver. Et pour ce qui est de l'artillerie, on commandera une trappe GBU. On a de la chance, il n'y a pas un temps trop maussade qui empêcherait les GBU. À la fin, on essaiera de la faire en dernier. Ouais, bien sûr, en partant. Ouais. Pas fait en arrivant, ce serait quand même pas très discret. Ok, je vois la patrouille en bas près de la route. T'as un visuel? Moi, je propose qu'on essaye de contourner, qu'on essaye de péter les deux tangos qui sont au barrage au niveau de la sécurité et qu'on attende que la Barrage patrouille. ouest? Barrage ouest ou au sud? Non, non, nord. Au nord maintenant, cap 340, premier barrage qu'on a vu. Et qu'on attende que la patrouille revienne sur le barrage pour les éliminer au moment où ils retournent à l'intérieur du secteur. Il faudra que ça soit vraiment discret parce que si on est repéré, l'autre patrouille nous tombera dessus. Ils seront au toit, ils auront de quoi se mettre à couvert à cause des rochers là et nous allumer. Ok, vise sur un grenadier. Tu penses qu'on est assez près là? Attends, je veux guetter où est la patrouille, tu la revois là? Je les vois là-bas, ouais. J'ai une patrouille là-bas, c'est tout ce que j'ai. Non, la patrouille de 4. Pas eux? Je la vois plus du tout. Ils correspondent au signalement, c'est pas eux là-bas? Mon laser là, azimut 356. On met un coup de picot là? Ils vont revenir en direction du checkpoint, il va falloir qu'on fasse ça vite. Tu prends lequel? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a vraiment pas d'ennemis le plus près de nous là? Moi je vois pas, attends, il manque une patrouille au complet là. Les mecs qui sont là-bas, c'est ceux du début, ils ont rien à voir avec la patrouille qui était itinérante là, de 4 mecs. Cible à 226 mètres. Bon, on approche un petit peu là. Mais la patrouille gagne du terrain là, regarde à l'avance. Faudra attendre qu'elle se soit barrée pour atteindre les deux cibles. Celle-ci là-bas? Active TJVN, j'ai mon laser depuis tout à l'heure. Elle est là-bas, là, la patrouille.
Jeton laser. Ils sont trois et avec un qui est à la fin. Propose qu'on les laisse passer, on s'occupe du premier barrage. Eux, à mon avis, là, ils sont en train de retourner à leur première, première position où on les a grillés au tout début. Ouais. Mets un coup de laser là? Où ça? Sur eux? T'as le mec là-bas? Ouais. Ils ont pas de JVN. Ils verront pas le laser. Je le vois pas ton laser non plus. Tu vois là? Non. Ok, je vais faire un truc rapide vite fait. Bouge pas. C'est mon laser que tu vois pas, je vais changer rapidement. Tac 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 tac. Voilà. Seconde, je vais le fixer. Là, je passe pas sur moi. Ouais, je dois ça. Ok, ça va le faire. T'as baissé mon visuel sinon au barrage? Il y en a que deux. Faut qu'on soit sûr avant d'attaquer. C'est eux qu'on va se faire en premier. Les autres sont en train de retourner à leur première position à 3 collés et 1 en dernier. Ok, je rebranche mon truc. Peut-être les piles. Dis-moi si ça marche. Maintenant. Non, bah laisse tomber, je le vois pas. Tu vois pas là? Tu vois le mien? Ah, bien sûr. Donne-moi le nom de ton laser, mec. Donne-moi le nom de ton laser. Le ANPEC 15. Ah, une B15, ouais, c'est même que j'ai, je comprends pas pourquoi tu vois pas bien. Allez, viens, mouvement, on y va. Ouais. De toute façon, moi là, j'enlève les JVN pour l'action. C'est bon, la patrouille, la deuxième est remontée. Hein. Donc là, on peut se faire les deux tangos qui sont là. J'avance. T'es sûr qu'il y en a que deux, mec? Ouais, il n'y en a que deux. Check JVN, mais. Il n'y en a que deux, il y Ok. en a un le très près d'un grenadier et un autre dans sa casse-bas là. Faut descendre plus bas au niveau de la roue. Ok, j'avance. Ok, ils sont à 150 mètres là. Ça devient imprudent de s'avancer trop. Hein. Ouais, mais j'ai pas visu sur la tête du mec qui est dans la casse-bas. Attends, je m'allonge. Non plus, j'ai pas visu. Je contourne par la gauche. C'est bon, j'ai sa tête. Je peux me faire celui qui est dedans. Ok, je me pose. Ok, je vais me faire grenadier. Celui d'extérieur à droite. Ouais. Quand tu veux. À ton top. Attends, 3. plutôt à mon top parce que le mien est plus difficile. 3, Ok. 2, attends, attends. Go. Tango abattu. Traité. Ils ont pas la patrouille a pas entendu. Remonte un petit peu sur les flancs là. Je regarde ce que fait la patrouille. La patrouille recommence son premier mouvement, donc ils vont arriver sur notre flanc gauche. Il faut qu'on se bouge. On se replie sur les rochers. On aura moisi sur eux, on pourra les traiter s'il faut. Ça m'embête de les traiter parce qu'on peut très bien les laisser passer. Ouais, mais la prochaine fois qu'ils vont faire demi-tour pour revenir à l'intérieur du. Ils verront les cadavres. Ils verront les cadavres. Je suis en position derrière. À moins qu'on fasse disparaître les cadavres. On peut les traîner à l'abri. Attends, j'ai l'impression que la patrouille refait pas exactement le même mouvement que le premier coup. Je les ai en visu. Azimut 306 pour moi. Putain, mec, ils s'approchent du barrage, ils vont voir les cadavres. Non, 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 ils repartent. Pas dans les montagnes. Je prends un petit peu d'altitude.
Ok, target en visuel, chef des squads. Ok, j'ai les 4 en visu. Je les ai à 150 mètres. Tu les as en visu, toi? On peut pas le traiter à cette distance, il pourrait très bien mettre en retraite derrière la montagne, on n'a plus de visu et l'alerte sera donnée. On attend qu'il repasse à notre hauteur et on les flingue. Ça peut se faire. Non plus. Tu sais combien il y avait d'ennemis à l'origine? À l'origine, non, il y en a moins de 20, c'est sûr, mais l'état-major était très peu clair dans les informations. Ils ont stoppé, hein, à mi-hauteur. Je vois ça. On a perdu l'informateur la semaine dernière. Du coup, on sait pas du tout combien il peut y avoir de djihadistes dans la zone. Qui est stand-by sur les targets. En attente. Ok, ça bouge. Ça redescend. Il y a ton sort pas. Non, ils sont beaucoup plus vers l'intérieur du village, j'ai l'impression. Sans qu'ils se dirigent vers le checkpoint. Ouais, confirmer, ils se dirigent vers le checkpoint. Je bouge. Ok, j'ai pas ce qu'une vue plongeante sur l'ennemi là, je tiens au courant. Je contourne par le flanc gauche. Il risque de voir le premier cadavre. Ils sont toujours pas en mai. Ouais, je vois ça. Ok, on attend qu'ils avancent, on attend qu'ils avancent et qu'ils soient découverts. Moi j'en ai deux. Deux tangos possibles sur ma zone. De même, les deux premiers. Moi j'ai les deux premiers, ouais. Je vois pas les deux autres. Si j'ai un troisième en visu, il se relève. Ok, j'ai un visuel, les deux. Ok, feu. Je prends les deux plus à droite. Ok, un traité. J'ai perdu un tango, moi. Ok, j'ai des traités. Voilà. Trois traités. J'ai perdu l'autre, c'est bon. Ok, bien joué. Et je te vois. T'es à mes 3 heures, on se déplace. On va reprendre un point d'observation en hauteur là. Tu me vois? Je vais traiter 3. Vas-y, remonte vers moi, mec. Oh, Tango en plein milieu de la ville, carrefour. Tout seul? Ok, repéré. Tu l'as vu? Ouais, azimut 300. Je peux le noter sur la carte, celui-là. Vas-y, fais-le en canal global. J'ai effacé les deux Tango. Il y en a un deuxième qui suit juste derrière. Je ferme les yeux là. Bon, j'ai avancé un peu, j'ai visuel sur la partie de la ville qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc oui, enfin si je vois les deux tangos que t'avais dit là sur le l'autre barrage de la ville, l'autre entrée du village. Ils ont aussi une patrouille de 4 de leur côté. Du côté sud. 240 côté sud, ouais. Et je suis derrière toi.
Patrouille indiquée sur la carte. Patrouille. T'as vu ce qu'il y a en dessous là? Azimut 245. Attends, j'avais les yeux sur la patrouille. Un petit gigot. 5. Oh! Un petit kebab! J'ai pas d'autres soucis dans mes yeux là. Je crois qu'ils ont laissé le l'artillerie comme ça sans défense. Ça me semble vachement prévisible comme truc. J'ai une autre cible en visuel qui patrouille dans les montagnes. Cap 280. Cible au laser, s'il te plaît. 180. Ok, repéré. Et j'ai encore une autre patrouille, tiens, ciblée laser là-haut là. Sur la corniche. Ok, confirmé. Deux cibles. Ils sont alertés ou quoi? Ils courent. Qui essaie de les rattraper? Ils courent là. Ouais, il est un peu à la bourre. Voilà, les cibles se sont mis en mouvement, non? Heureusement qu'elle ne se met pas en position de tir là. Ils se sont mis en mouvement de course. Ouais, je vois ça. T'es sûr qu'ils avaient pas de JVN en face? Ils ont pas de JVN, c'est des tribales. Hein. Un couvert, hein, mais c'est impossible qu'ils aient des JVN. Et même si c'était des JVN, leur matos ça leur permettrait pas. C'est beaucoup de monde dans les montagnes, ok, je le vois. Je pense qu'il a à voir avec l'autre qu'on a repéré juste avant. Ou c'est même. Pas. Ok, c'est bien joli, mais il va falloir aussi faire gaffe au bâtiment. Il peut très bien y avoir des familles, comme il peut très bien y avoir des. Ok, regarde, droit devant, azimut 270 là, j'ai deux cibles en visuel sur le toit. Premier bâtiment en face. 70. Tu vois, juste en bas là, en face, là où tu regardes, sur le toit. Oh, ceux-là, on a moyen de se les faire d'ici, je pense. Il y a moyen, mais on sait pas s'il n'y a pas d'autres tangos à proximité. Ok, d'autres cibles aussi. Azimut 295, hein, 300 pour toi, en bas vers l'olivier. Tout près de nous, là-bas. Oh, bien vu. Fais gaffe, y a un tango qui nous regarde. Ils sont 3 ou 4 sûrement. Ils ne voient pas la JVN. Ils ont pas de JVN, donc. On pourrait les traiter. Hein. De toute façon, il va falloir commencer à accélérer, le jour va se lever. Et quelle heure? 3 heures. Je me sens, je pense qu'on peut se les faire là, les trois rejetons en bas là. Ok, go. Attends, je suis pas prêt. Tu prends le plus à droite. Ok. Quand tu veux. 3, 2, 1. Traité. Traité. De traité, c'est bon? Deux traités de mon côté. Ok, sur le toit, ils ont pas vu. On se rapproche. On se rapproche. Visu. Sur ceux du toit. Faire gaffe parce qu'il peut très bien y avoir 2 semaines dans les bâtiments. T'as visu sur l'intérieur du toit. Ah, Tango, juste derrière le bâtiment. Sur la route. Ok, j'ai un visuel, il charge quelque chose. Hein. Plus de visu. Vas-y, on se tape les deux Tango maison. Tu prends l'extérieur, tu prends l'intérieur. Ok, je vais voir ça. Attends, il me faut un autre angle. Je me Je déplace. te couvre le temps que tu te déplaces. Ok, j'ai. Non, j'ai plus. Ok, j'ai visuel. Quand tu veux. Prends l'extérieur, tu prends l'intérieur. À mon signal. 2, 1, go! Abattu. Traité.
Ok, on va avancer. Je suis avec la bande son, tu sais, de Modern Warfare 2. Relativement sympa. De Simon Usuel. Non, mais il y en avait un dans la rue, hein. Il est là. Attends, je le traite. Oh, t'auras pu. Traité. C'est bon pour toi? Traiter une cible? Ouais, j'en ai traité une, ouais. J'ai rien entendu. On avance. Ok, go. Attention aux angles. Fais gaffe, hein, à droite, ils étaient peut-être 4. Je passe un CQB. À droite, clear. Gauche clear. Ok, bâtiment droit devant là. Azimut 234 à mes 12h. Par les yeux. J'avance. Pas le bâtiment qu'on a traité, l'autre devant. Petite maison vide. Attention aux étages. J'avance. Couvre les angles, je rentre dans ce bâtiment là. Traité. Je rentre. Clear. Je monte dans le bâtiment d'en face. Ok, je couvre tes arrières. Clear juste la petite auberge en face de nous. Je m'en charge. Clear. Rez-de-chaussée, rien à signaler, je monte à l'étage. Ok, clear. À l'étage de Tango à terre. Ok, l'artillerie est un pâté de maison. On peut se le faire. Bah c'est où? À l'étage. Ok, t'as visuel sur quelque chose? Non, je fais un 360 là. Visuel sur un Tango qui nous a grillé. Il arrive pas derrière. Attention, je vais traiter. Là on est venu? Ouais. Il est sur les rochers. Cap. Il redescend. Cap 40. Je prends les tirs. Je suis repéré. Cache-toi. C'est bon, abattu. On est Bien grillé. joué. T'es blessé? Non, c'est bon. Ok. Tire comme des tanches. Ok, faut qu'on s'exfiltre. Il y a pas un véhicule dans le coin, t'as rien vu? Non. On poursuit la mission. Poursuivre la mission, on a beaucoup de types dans les montagnes là, on risque gros. On peut déjà faire un ciblage laser sur pièce d'artillerie. Ouais, on prend une position élevée et on cible la cible. Je propose qu'on reste ici, je te couvre à 360, tu cibles au laser. Ok, reçu. Attention, ça siffle, couche-toi. Repli. Descends. On a de l'artillerie lourde au cap 20, mitrailleuse. Mitrailleuse cap 20. Ouais, elle est déployée sur le flanc de la montagne. Ah, putain, j'ai pas de visu. Il est haut ou Non, j'ai pas eu le temps de voir ça, le détail. Tiens, rentre dans ce bâtiment là, au pire t'as les coordonnées GPS, je couvre. Le problème c'est que j'ai vu, ils ont besoin d'un guidage laser. Ah, t'as besoin d'un visu direct? Ouais. Pour les JTAC, non, mais pour les GBU, faut un guidage laser. Vas-y, je prends le toit. Fais gaffe, hein. Attends, j'arrive. Si ça marche pas, j'enverrai une grenade infrarouge. Ok, j'ai un visu. Mortier à mes yeux. Azimut 310. Attends, mets-toi à l'abri. Comme ça. J'ai une position de mortier à mes yeux, mec. C'est bien plus important là. S'il nous voit, on est mort. Dans les montagnes?
Ouais, azimut 311. Position de mortier en visu. Deux hommes, un artilleur, un assistant. Ouais, vu, repéré. Deux mortiers. Ouais, mais un qui est pas occupé. Ils sont à 300 mètres. J'ouvre le feu. Qui est touché. Je recharge, je sais pas si je l'ai vu. Ok, je passe à la jumelle. Ok, traité, deux cibles traitées. Et je cible le point. Le 18. Sûr. Ça, les cibles. Non, j'attends que tu fasses péter l'artillerie. Bien sûr. Yaf. Ça se rapproche, hein. C'est bon, j'ai visuel, je vais traiter. Ne te mets pas en danger, mec. Ne te mets pas en danger. Je cible la cible. Avion en approche, F-15. Par le sud. Ok, deux F-15, j'en visu. Visu. Ça balance. Attendez, bon, j'ai rapproché. Putain, merde, j'ai du foie, le laser. Pas d'impact, pas d'impact. Repli, repli, Je zone refais. exposée, on rentre. T'es foutu? Non, mais repli. Je refais un appel radio. Je suis à la voie, vas-y, descends si tu veux, mais moi je peux encore faire un appel. Je couvre, hein. Bien reçu. Ok, je refais un appel. On approche. Cible verrouillée. Ok, j'entends les avions. Ça va tomber. Attendez, je les vois. Putain, j'ai du tir. Bordel de merde. Impact confirmé ou pas? T'as rien fait. Je reprends un tir. T'as trop de tango ici? Je suis ressorti, hein. Ok, j'ai envoyé la cible. Ok, j'ai un tango extérieur. S'approche? Non. C'est le tireur embusqué qui nous tire dessus depuis tout à l'heure. Abattu. Ok, ça vient. Gérouille. Couvre-moi. J'entends. En visuel. Ok, traité. Ok, on s'excuse. Confirme, traité. Je suis déjà retourné à notre ancienne position. Merci. C'est pour couvrir sur le tango à la con. Attends, je viens de recevoir un. Je t'écoute. Un nouvel objectif, capture. Capturer une zone à 103 mètres, un bâtiment cible. Ok, je suis tout prêt, tu peux t'approcher de moi? J'arrive. Ok, on y va. Ah, attention, tango en visu, j'élimine avant. Abattu. Ok, je suis sur la cible.
Tu reçois, tu as un visuel sur la... Il y a eu un... C'est pas dans la défendre. Je suis sur la zone. Je suis sur la zone à capturer. Oui, confirmé, mais il y a eu un... Hein? Un projecteur vert... J'ai rien vu. Voilà, Tango en approche, renfort ennemi en approche. Quelle direction? Pouest 280, ils descendent la colline, forte rapidité là, ils avancent vite, ils avancent vite. Un. Traité. Pouest 280. J'ai marqué au laser. J'ai pas des yeux. Ok, visu confirmé. Je me déplace. Deux traités. Bien joué. Il y a faux arrière. Attends, bouge plus. Target. Neutralisé. Bien joué. Je crois que c'est clean. Plus de mouvement. La zone n'est pas capturée, la pièce d'artillerie n'est pas considérée comme détruite. Si, la pièce d'artillerie est détruite, mais il doit y rester du monde dans le coin, là. Faut qu'on nettoie. T'es où? Juste à côté. Ok, on va faire du porte-à-porte. J'espère que t'as pris tes arguments de vente. C'est parti. Passe en arme de corps à corps. T'es où? Attends, bah. Ici. On a pas essayé les maisons là-bas. À 12h. Vas-y. Ok, visu sur le toit. J'arrive. Ok, c'est client. Pas un secondaire. Ok, go. Je prends à gauche. Première pièce. Clear. Ouais. Pas aller trop vite, ça. T'as du visu? Bon, y'a personne où je suis, j'arrive à te rejoindre. Ce bâtiment est vide. Ok, bien reçu. Coller derrière toi. T'as fouillé petite cabane ici? Ah, j'ai fouillé, c'est le même bâtiment. Ok. Petit signal. Je prends l'imagerie thermique du drone. Merci. Nettoie la carte au passage. Je me rapproche de la cible. Ok, passage en thermique. Ok, je nous vois. Mais non, tous les hostiles ont été traités dans la zone. Putain, le gros tas de cadavres. À côté de la cible d'artillerie, il y avait deux autres mecs qui ont été traités. Je me dirige vers la zone d'artillerie. Ensuite. Vérifie que. Ah, je vois le drone. Je survole la zone.
retourner sur le point capturé. Si c'est clair, ça doit être bon. Ouais, je vois le drone aussi. Sur la zone. Entièrement détruite. Sous-traité, pas de survivant. Pas de survivant. Pas su. On commande une évac. On en a besoin, ouais. T'as encore du visu sur les montagnes? Ça me paraît client. Ok, je demande une évac. Ça plombe là, ça pleut, ça pleut. Putain. Touché. T'as été touché? J'ai touché. Il me faut un aide. Je suis sur zone à capturer. J'ai touché à la jambe. J'arrive. Attends. On a le renfort qui arrive. Renfort de chez nous ou Renfort qui est de chez nous qui arrive. Extraction. Sur quel point, sur quelle coordonnée? Sur nous là, sur nous, ils vont arriver bientôt. Combien de temps? Très peu de temps. 30 secondes. Ah putain, aide-moi s'il te plaît. J'ai un peu uni, j'ai un peu uni. Ok, je les entends. J'ai le gunship en approche et l'hélico de transport en approche. Rassure. Ok, je te fais un garrot. Rassure. Chinook en approche, descente lente. Il est sous le feu, il est sous le feu. Je prends des tirs de l'hélicoptère de transport. Tout à fait, hélicoptère de transport sous le feu, gunship en approche. Merci. Ok, je vais tuer. Tiens, là-dessus. J'ai l'impression qu'il a du mal à se poser, c'est si longtemps. On va se mettre à l'abri. Ça vient 220. 220. T'as une hauteur? C'est pas trop. Je me suis mis en mouvement vers. Je vais mettre au couvert, je vais demander au Apache de traiter le ciel. Ouais, re. Ils sont derrière. Derrière les rochers, quoi. C'est les renforts sur la route. Chinook abattu. Chinook abattu, tu confirmes? Abattu, confirmé. Putain, on se retrouve en pire dans une maison. Je vais demander à l'Apache de faire le match. Que je t'en dis. D'autres cibles visuelles? Tu confies, ça faisait des montagnes? Ça faisait des montagnes, ouais. Je te vois plus par contre, je t'ai perdu. Je suis dans la maison, juste à côté. Ah, c'est bon, je te vois. Je suis sorti, je suis derrière toi. Ok, je te vois. On va remplir de la coke. Pas de choix. T'arrives pas à voir ici.
Le gunship refait un passage. Je confirme, hein, les ennemis sont à l'ancienne. Sur carte, ils sont indiqués par le GPS pour l'instant. En 58-70, 0.59-0.70, 131 mètres. Bien reçu. À 18. Tu vois mon laser? Je vois ton laser, ouais. Ça donne du barrage? Sur la route, ouais. Sur la route ou derrière, mais d'ici on n'a pas de visu, on est trop bas. Je vais prendre le toit. Et le ticket de sortie. Verte lâchée, Black Hawk en approche. Il y a le drone sur le toujours. T'as vu la fusée qui était tirée, hein? Négatif. Là-haut. C'est une demande de renfort de l'ennemi. Je crois aussi. Il va falloir qu'on se barre rapidement. De toute façon, les objectifs ont été remplis. On se replie, on s'en va. Le Black Hawk se pose plus loin. Putain, il est super loin. Quoi? Il est super loin et je sais pas s'il se pose. J'arrive pas à contact avec lui. Je fais un survol de la zone, il repasse. Ok, je vois la page qui me semble. Ah, je crois que c'est safe. Safe. Moi j'ai toujours deux tangos, hein. Au barrage. Toujours. Ouais. Le Black Hawk en approche. Sous le feu encore. Ouais, je vois ça. C'est pas une Zeta. Le con. Quel hélico s'est posé. On rejoint l'hélico vite. C'est posé comme une grosse merde. Le salut ça. Hey. J'arrive, hein. Je suis en train de fixer la défense à l'ennemi. Ah, j'entends ça. On l'a vu, il s'est posé. On se demande comment il a fait. Un bon pilote encore, tout ça. Ce qui va être chiant, c'est le décollage. Vas-y, repli, repli, repli. Ouais, le décollage va être chaud. Vas-y, on en marque.